Salut à tous, c'est les Gamer 101, point d'interrogation coup et autres. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Counter Racing. J'avais déjà fait une vidéo dessus, cette fois-ci on en refait une. Et on va essayer de terminer un mode, donc toujours avec le même, la même carrière et tout ça. Avec mon nom, je me suis appelé Vitesse. Donc voici toujours mon véhicule, il est juste ici, ça restera le même. Donc on va faire... le parcours en espérant le passer. C'est parti. On est dans le temps de chargement. Le parcours est un petit peu dur, mais on peut finir par le réussir. N'oubliez pas que là ça pousse, ça repousse, ça repousse. Au début ça pousse, c'est normal. Je sais pas si on va réussir à le passer parce que ça fait longtemps que je suis bloqué. Il faut être 3ème pour passer cette course minimum. On va essayer d'être 9ème au premier laps ou 8ème si c'est possible. Vous voyez, il me plaît. Je ne suis pas trop accéléré. Parce que là, il y a un tournant qui va arriver. Yes, je suis 7ème. Je sais un petit peu là. Donc j'espère que cette vidéo vous plaît. Hein. C'est un peu une petite vidéo sur Counter Racing. Donc voilà, toujours le même véhicule. Il va pousser. Non, il va pas pousser. Voilà pourquoi j'essaie de faire des dérapages contrôlés. Vous voyez un peu les... quand il fait. C'est un dérapage en fait. En fait, je pourrais aller doubler, mais j'ai la flemme. Je sais pas pourquoi je me suis cogné. Donc j'essaie de les rattraper. Maintenant, on tente le tout pour le tout. Moi je me suis mangé un arbre. Oh yes, yes, yes. C'est super dur, hein. Je pense qu'on va pas réussir à finir ce niveau. Moi personnellement, les courses, je les aime bien. Mais c'est très dur de jouer dans ce jeu. Je l'avais déjà dit. Mieux pas. La chance que j'ai. Je passe 8ème. Et de passer 7ème, ça serait trop. J'accélère un peu parce que l'autre il va me doubler. Oh, il va me doubler. Faut accélérer un peu plus, mais j'étais dans un virage. Ah, t'es fou, vrai. Ouais.
bleu. Yes. Merci de te ralentir, sir. Il a voulu contrôler un truc, il l'a pas su contrôler. On va repasser 8e. Yes. Je trouve que quelqu'un s'est gâté. T'as tenté, t'as coupé. Pour essayer de les doubler, ils vont pousser. Allez. On s'éteint un petit peu là. Est-ce que là, je suis un peu grand? D'ailleurs, 7e c'est une belle place. Mais il faut être 3e déjà. Sachez qu'au démarrage, ils sont plus rapides que vous. Quand ils meurent, au démarrage, ils sont plus rapides que vous. Là ils ont fait je sais pas quoi, ils ont fait peut-être un cru, je sais pas quoi ils ont fait. Oh non, c'est tous rentrés dedans et moi je sais pourquoi, à cause du, parce qu'à l'endroit où on fait une figure et on t'applaudit quand tu l'as réussi, ils sont sûrement cognés à cause d'une petite erreur d'une des véhicules là. Ah mince, c'est mon erreur à moi, j'ai pas fait les dérapages bien contrôlés.
réussisse encore cette partie. Hein. Ça va être dur, mais ça reste un jeu quand même bien. Pas tip top, mais c'est déjà bien.
passé, ils ont tous bousculé. Ils se sont tous bousculés. Ils m'ont bousculé. C'est un parcours difficulté moyen. Septième, je vous l'avais dit. Je suis passé à 7ème. Là je suis 10ème, faut que je fasse très gaffe. 10ème. C'est des parcours à maîtriser, il faut savoir maîtriser chaque parcours. C'est ça qui est dur. Et surtout éviter qu'on te donne des coups de pied. Parce que les coups de pied c'est pour te faire bousculer, pour que tu perdes ta place. Ils veulent garder leur place. Ouais, ben là, je crois que je me suis mangé. Je suis passé 7ème au premier truc. Là, ça va être chaud pour repasser 7ème encore. Mais je suis passé 7ème, c'est le principal. Si j'avais bien tenu, j'aurais peut-être passé 5ème. Peut-être. Mais il y a beaucoup de monde qui peut doubler. Là, j'ai fait un truc chelou. Et c'est moi qui. En fait. Quand on pousse, c'est-à-dire cul, voilà avec les trucs qui on pousse. On pousse la personne, il faut être bien rapproché. Il faut pousser avant qu'elle te pousse. C'est super dur, moi j'utilise pas. L'applaudissent, j'ai pas compris. Bon, je tourne, t'es bien que je tourne. Sur la piste. Ce jeu est pas mal, mais il me paraît dur, il y a des moments. Je le passerai un jour ce parcours, faut juste que je me familiarise avec le tournant. Les tournants, les endroits pour tourner. Mais en fait, le problème de ce jeu, bon, je l'ai déjà dit, hein, mais quand on va trop loin, on voit moins la piste, on a moins de visibilité. C'est ça le problème du jeu. Normalement, j'aimerais bien avoir une meilleure visibilité. Mais bon, ça j'y peux rien, c'est le jeu en lui-même. Donc pour avoir une meilleure visibilité, bah on n'y peut rien, parce que moi, je peux rien faire. C'est quand on fonce, quand on est à 100 ou 200 km/h, on voit moins la piste. Du coup, il faut souvent rester à une certaine vitesse, genre 120, 140. Mais au-delà, on voit mal la piste. Regardez, là, je commence à zigzaguer. C'est pas normal, hein, que je suis à 100 km/h. Elle a essayé de me pousser, elle a loupé. Et voilà. C'est parti. Allez, fonce, ma petite voiture bleue. Avec ma petite voiture avec le passage bleu. C'est le meilleur. Doublez tous. Je me prends un mur ou quelque chose comme ça. Ça m'arrive souvent, ça. Allez, je t'ai fait ralentir un tout petit peu. Passons à aller chercher le prochain. Et là-bas, je le vois. Et voilà, je suis 10ème. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout,
Raptor Racing PC. Donc ce jeu est vraiment génial. Donc voici les coupes que j'ai réussi. Hein. Speed, accélération, heading. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Et moi je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. C'était Alexis Retro Gamer. Ciao.